la loi sur la sécurité globale, qui est en réalité un terme orwellien, qui signifie total, totalitaire. À chaque fois, les mots veulent dire leur contraire. Donc, bref, cette loi sur la sécurité globale vient d'être adoptée. Et si je peux me permettre un humble conseil à la France insoumise, qui aura certainement de toute façon déjà pensé, c'est qu'il faut utiliser toutes les occasions que l'actualité nous donne pour affirmer dès maintenant, puisque la campagne présidentielle est officiellement lancée avec la candidature déclarée de Jean-Luc Mélenchon, il faut à chaque fois se positionner de façon très claire à l'opposé du monde de Macron. Parce qu'en réalité, ni Marine Le Pen, ni la droite classique, ni même peut-être l'EPS ne reviendra sur les ignominies que fait passer Macron. Au contraire, ils s'en serviront. Et donc, l'opposition à tout ce pan-là de la politique, c'est véritablement une véritable gauche qui, à mon avis, commence à la France insoumise, même si je n'ignore pas mes frères et mes sœurs communistes, etc. Mais a priori, par rapport aux dernières élections, la force politique la plus importante à gauche pour l'instant, c'est la France insoumise, a priori. Donc, en tout cas, il faut bien montrer la différence de monde entre, depuis le Parti Socialiste jusqu'à l'extrême droite, tout ça, bien sûr, chez les socialistes, il n'y a pas que de mauvaises personnes, mais à mon avis, justement, ils doivent sortir du Parti Socialiste, je ferai une vidéo à part. Quoi qu'il en soit, voilà. Un certain Parti Socialiste et jusqu'à l'extrême droite, tous ces gens-là ne remettront pas en cause, à mon avis, toutes les ignominies que Macron est en train de faire passer. Et donc, il faut se servir de toutes ces opportunités d'actualité pour affirmer que nous reviendrons sur ce qu'ils ont fait, mais pas d'une opposition stérile, mais à chaque fois, on propose autre chose. On veut, par exemple, une police de proximité. Bien sûr qu'on a en conscience la protection des policiers, etc. Donc, c'est pas simplement de dire qu'on reviendra sur toutes les que Macron a fait, mais c'est aussi dire, en même temps, qu'on propose autre chose de constructif et de réellement bénéfique à la population, à l'intérêt général. Voilà ce que je voulais dire comme humble conseil. Utilisez tout ce que fait Macron pour justement affirmer, eh bien, si c'est nous qui passons, si vous nous donnez votre confiance, tout ce que vous trouvez dégueulasse, qui va à l'encontre de vos libertés, etc., eh bien, nous vous affirmons que nous reviendrons là-dessus et que nous vous proposons quelque chose de positif à la place. Voilà ce que je voulais dire, merci de m'avoir écouté, à bientôt pour d'autres vidéos.